Dimanche 25 octobre, du studio My Wisdom TV, le canal vidéo des filles de la sagesse, voici l'émission spéciale Or et Argent 2009. Nos invités du jour sont Rachel Lajoie, Claudette Lapalme, Présente sur Claudette Lapalme, qui est directrice de cette maison. Il fait un travail, un excellent travail. Oui, avec les autres. Il ne faut pas oublier, avec Carmen et les autres. Toute une équipe. Ensemble. Et moi, je connais Sœur Claudette depuis longtemps parce qu'on vient du même village. C'est toujours un plaisir de travailler avec Sœur Claudette Lapalme parce qu'elle est rieuse, elle est encourageante, elle est joyeuse, elle est organisée, elle est très positive, puis elle est très consciencieuse. On est une maison de quartier ouverte à toutes les nationalités qui se présentent à nous, à tous les gens de différentes religions. Marie-Louise frappe à ma porte, une maison de bonheur. Alors, vous êtes un réseau qui ne sert pas seulement la population d'ici. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes. Sans domicile, ô notre dame, et nous te demandons asile. En communication avec asile, le monsieur du Burundi. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. J'ai connu Claudette à l'occasion du projet Mission Justice. J'ai trouvé en elle une femme très sécurisante parce que j'avais tellement peur de l'avion. Et l'expérience qu'on a vécue au Pérou m'a permis de découvrir dans cette femme quelqu'un qui prend des défis d'une façon clairvoyante, très confiante en la Providence. Nous avons vécu des expériences communes d'une façon tellement joyeuse, enrichissante. La maison Marie-Louise, je pense que ce qu'elle portait à l'intérieur à ce moment-là, a permis de donner un élan à ce projet extraordinaire. Le respect des personnes qu'elle a manifesté dans le projet Mission Justice, elle le manifeste toujours et partout. Claudette, notre sœur, sois bénie pour ta générosité et ton ouverture. Célèbre dans la joie tes 50 ans de vie religieuse. Heureux, très heureux jubilé, chère Claudette.
Restez à l'écoute, un message publicitaire suivra. Vous voulez de l'oxygène pur, abondant, revigorant? Rendez-vous au 235 Avenue Sainte-Anne. En ce lieu, les poumons de votre cœur trouveront, grâce à Claudette Lapalme, une nouvelle santé. Jubilaire du jour, elle favorise une circulation de la vie en réseaux urbains, nationaux et internationaux. Un secret passionnant pour tout nouvel arrivant. Cyberciel a parlé. Vive la sagesse, qu'elle vive au cœur de Claudette et de tous ses projets.